La tension est palpable au moment où les concurrents viennent se placer sur la grille de départ de la première course sprint du TCR Benelux, la nouvelle compétition pour voitures de tourisme dans les plats pays. Tom Coronel a signé la pole position grâce à son meilleur temps dans la deuxième partie de la qualifying long race et il retrouve sur la première ligne Vincent Rademaker, de très grands noms donc des voitures de tourisme pour le départ de ce premier sprint. Un départ, on vient de le voir, que Vincent Rademaker a un peu anticipé alors que Tom Coronel, lui, reste coincé sur la grille de départ. Il est au ralenti en tout cas et il voit l'ensemble du peloton lui filer sous le nez. Au premier passage au con, Vincent Rademaker est donc en tête derrière Thiago Montero, résiste à l'attaque de Guillaume Mondron pour conserver la deuxième position. C'est chaud déjà pour la quatrième place avec Romain Deleval qui a viré un peu large et qui doit donc laisser passer Sam De Jong. Mais on l'a vu, Vincent Rademaker a volé le départ. Voilà donc la voiture numéro 10 qui écope d'un drive-thru. Bon dernier, Tom Coronel a quant à lui solutionné son problème. Il attaque au maximum, parfois un peu trop, comme ici dans la chicane. Grande animatrice de la qualifying long race, samedi, l'Opel Astra TCR de l'équipe DG Sport Compétition rencontre des problèmes et Fred Capras doit s'arrêter en bord de piste. Après le drive-thru de Vincent Rademaker, Thiago Montero mène devant Guillaume Mondron et Sam De Jong, mais le jeune pilote du RACB National Team sur la Seat jaune passe à l'offensive. Il tente une première manœuvre à l'épingle de la source et dans la descente vers le raidillon, il prend la deuxième position. Derrière, on assiste là aussi à une belle bagarre avec Romain Deleval, Didier Van Dalen et Kevin Balthazar, trois très jeunes pilotes qui ont tous misé sur la Golf GTI TCR et qui se disputent la place au pied du podium. Belle lutte également pour la 7ème position entre Maxime Potti, le luxembourgeois Loris Sensetti, Benjamin Le Sen et derrière eux Vincent Rademaker qui remonte après son drive-thru. La lutte s'intensifie entre Loris Sensetti et Benjamin Le Sen et ça se termine comme ça. On revoit en caméra embarquée l'action à bord de la voiture de Benjamin Le Sen. La pluie fait son apparition à la fin de ce premier sprint et certains se font surprendre à l'image de Sam De Jong qui tire tout droit à la chicane. Il pourra néanmoins conserver sa deuxième place. Victoire donc de Thiago Montero devant Sam De Jong et Guillaume Mondron. Didier Van Dalen tente le tout pour le tout dans ce dernier tour pour chipper la quatrième position à son équipier Romain Deleval, mais il tire tout droit à la chicane. Il veut rendre sa place à son équipier, mais il passe juste devant sur la ligne et il écopera donc de 5 secondes de pénalité. Romain Deleval, 4e donc, Kevin Balthazar, 5e et Didier Van Dalen, 6e. Notons la 7e position de Vincent Rademaker, bien remonté après son drive-thru. Voilà donc le premier podium d'une course sprint du TCR Benelux avec Thiago Montero sur la plus haute marche devant Sam De Jong et Guillaume Mondron. Super course, le départ un peu chaud avec un pilote qui prend un faux départ, hein, qui démarre pas très bien. Donc voilà, je savais que les conditions n'étaient pas trop mal dès le départ, mais il fallait encore doubler Guillaume et puis surtout essayer de gérer les pneus jusqu'à la fin. Donc voilà, ça a été une course pas simple, il fallait vraiment faire très attention, mais ravi de, bien entendu d'avoir fini en premier. Sam De Jong n'était pas peu fier de terminer deuxième derrière le portugais ex-pilote de Formule 1. Oui, c'est fantastique. Quand j'ai entendu qu'ils allaient participer à la course ici, je me suis dit, j'espère que je pourrai me battre face à ces pilotes dans la course sprint. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça, mais bon, c'est chouette de pouvoir se mesurer à de telles références. Le classement final donc de cette première course sprint du TCR Benelux avec la victoire de Thiago Montero devant Sam De Jong, Guillaume Mondron, Romain Deleval et Kevin Balthazar.